Salut! Tu économises déjà chaque année des centaines d'euros avec ma clé de 12. Alors économise aussi sur tes pièces en achetant via l'app Mister Auto. Les frais de port sont offerts sur les pièces nécessaires à cette opération. Coupe le contact de ton véhicule, serre le frein à main, tire la poignée d'ouverture du capot et ouvre le capot. Tu pourras ainsi visualiser l'emplacement des bougies d'allumage. Pour accéder à tes bougies d'allumage, il est nécessaire de retirer le cache moteur. Appuie sur les deux ergots, puis retire le cache moteur. Avec un tournevis plat très fin, déclipse les agrafes de maintien du faisceau d'alimentation des bobines. Avec un gros tournevis, fais délicatement levier sur les bobines afin de les débloquer. Puis, extrais-les en les tirant vers le haut à la main. Dégage-la de manière à ce qu'elle ne te gêne pas dans la dépose de la bougie. À l'aide d'un cliquet ou d'un T de force, d'une rallonge et d'une douille à bougie de 16, débloque la bougie. Puis finis le dévissage à la main. Astuce ! Si ta clé à bougie n'est pas pourvue d'un système d'accroche pour sortir la bougie, tu peux utiliser la bobine en l'insérant dans cette dernière pour dévisser les derniers filets et la sortir sans encombre. Munis-toi de la nouvelle bougie. Remets-la en place en l'insérant directement dans la douille à bougie, ce qui permettra de l'accompagner délicatement jusqu'au support de vissage. Commence le serrage à la main, puis termine par bloquer à l'aide du cliquet, en finalisant le serrage d'un quart de tour. Il existe plusieurs techniques de serrage des bougies. Tu peux utiliser une clé dynamométrique et ainsi utiliser le couple de serrage préconisé par le constructeur. Ou alors, tu peux utiliser un disque angulaire de serrage pour respecter l'angle préconisé. On te conseille tout de même vivement de visionner notre tuto « Comment serrer une bougie d'allumage » avant de réaliser cette étape. Repose la bobine en l'enfonçant au maximum. Tu dois entendre un petit « clac » d'insertion. Tu peux maintenant réitérer l'opération sur les autres bougies. Une fois terminé, repose correctement le faisceau dans son logement et verrouille-le en abaissant les agrafes. Remets le cache moteur.